pour le prix Nova Cap de l'Académie des sciences Julien Nicolas. Et je remercie le donateur qui est représenté par Pierre Luzot, président de Nova Cap. Donc bonjour, je m'appelle Julien Nicolas, je suis directeur de recherche au CNRS, à l'Institut Galien Paris Sud, qui se situe sur le campus de la faculté de pharmacie de Châtenay-Malabry. Et ça fait maintenant un peu plus de 12 ans que je travaille dans l'équipe nanomédicaments pour le traitement des maladies graves. Donc globalement, en fait, je m'intéresse au développement de matériaux polymères innovants pour des applications biomédicales et en particulier pour la nanomédecine. Donc par exemple, je cherche à concevoir de nouveaux polymères biodégradables, donc qui vont se dégrader complètement dans l'organisme, en insérant au sein de la structure du polymère des groupements fonctionnels qui vont être soit hydrolysés ou soit sensibles à la présence d'enzymes. Alors, je m'intéresse également à la fabrication de nanoparticules à partir de ces polymères. Donc, les nanoparticules, ce sont des objets généralement sphériques, très petits, de l'ordre de quelques dizaines à quelques centaines de nanomètres de diamètre, dans lesquels on va chercher à encapsuler des molécules de principe actif. Et en fait, ces nanoparticules chargées en principe actif, on va les utiliser pour soigner diverses pathologies, comme le cancer par exemple. Et enfin, je m'intéresse au couplage entre des molécules de principe actif et des polymères pour faire ce qu'on appelle des prodrogues polymères, qui sont donc des polymères sur lesquels sont couplées ces molécules de principe actif. Et l'idée, c'est de formuler ensuite ces prodrogues polymères en nanoparticules pour obtenir donc des nanoparticules de prodrogues polymères. Et en fait, ces nanoparticules vont être très avantageuses par rapport aux nanoparticules dans lesquelles simplement le principe actif est encapsulé et emprisonné. Parce que ces particules de prodrogues polymères vont nous permettre de mieux contrôler la libération du principe actif et d'éviter par exemple une libération trop précoce, donc avant d'arriver sur le site d'action. Alors en fait, les enjeux liés à la nanomédecine sont finalement assez simples à comprendre, puisqu'on va chercher à l'aide de ces nanoparticules à concevoir des traitements qui sont à la fois plus efficaces, mais également moins toxiques pour le patient, avec moins d'effets secondaires. Par exemple, en cherchant à accumuler plus spécifiquement ces nanoparticules au sein des tissus malades, au sein d'une tumeur par exemple, et en évitant à ce qu'elles s'accumulent au niveau des tissus qui ne sont pas touchés par la maladie. Alors un autre enjeu aussi lié à la nanomédecine va concerner la mise au point de systèmes nanoparticulaires qui vont être capables d'effectuer un diagnostic plus précis et plus précoce de la maladie, ce qui permettra de prendre en charge le patient beaucoup plus tôt et donc d'augmenter ses chances de survie. Et donc l'idée, c'est de conférer aux nanoparticules des propriétés d'imagerie par exemple. Et enfin, un enjeu qui est très important va concerner aussi la simplicité de tels systèmes. On cherche à avoir des systèmes qui sont plus efficaces, bien sûr, mais il faut aussi penser à faire des systèmes qui sont très simples, le plus simple possible, pour pouvoir penser à leur développement futur. Je m'appelle Johanna Tran, je suis doctorante à l'Institut Galien sur le projet ANR Nano CardiEurope et je travaille sur la synthèse de polymères vinyliques dégradables. Donc, les polymères vinyliques sont énormément utilisés dans notre vie de tous les jours, que ce soit sous forme d'emballage, de peinture, de revêtement. Donc on imagine un peu moins les polymères vinyliques dans le cadre d'applications biomédicales. Mais pourtant, ils sont très intéressants puisque c'est relativement facile d'obtenir des structures très sophistiquées et hautement fonctionnalisées. Et ce n'est pas forcément le cas des polymères dégradables traditionnels. Le problème des polymères vinyliques, c'est qu'ils ne sont pas dégradables parce qu'ils présentent un squelette carboné, donc un enchaînement de liaisons carbone-carbone, qui est extrêmement difficile à casser. Et donc, les rendre dégradables constituent un véritable défi technique. Et ça pourrait permettre leur utilisation dans le cadre d'applications biomédicales pour éviter l'accumulation de ce matériau dans l'organisme et donc éviter des effets toxiques. Donc en fait, ce que l'on cherche à faire, c'est incorporer au sein des polymères vinyliques des monomères précurseurs de fonctions dégradables, donc des fonctions esters, afin de permettre la dégradation du matériel qu'on obtient, que ce soit une dégradation hydrolytique ou enzymatique. Et donc avec cette approche, on cherche à synthétiser des matériaux polymères qui peuvent servir soit à la formulation de nanoparticules pour la délivrance de principes actifs, ou alors la synthèse de bioélastomères pour de la régénération tissulaire.
Et puisque nous travaillons sur les polymères vinyliques dégradables, nos recherches pourraient également servir à résoudre les problèmes posés par l'accumulation des matières plastiques dans la nature. Bonjour, je m'appelle Daniele Vinciguerra, je suis également doctorant à l'Institut Gallien sur le projet Étienne Marie Curie Nabat. Ce qui me concerne, je cherche à coupler des principes actifs anticancéreux à des polymères pour former ce qu'on appelle des prodrugs polymères et ensuite les formuler sous la forme de nanoparticules. L'avantage de cette approche, c'est qu'on va pouvoir prévenir une dégradation précoce du médicament, on va augmenter la quantité de principes actifs dans la particule et on va aussi pouvoir éviter une libération trop rapide du médicament. La méthode que j'utilise consiste à faire croître une petite chaîne de polymères à partir d'un médicament anticancéreux pour avoir ensuite ce médicament à l'extrémité de chaque chaîne de polymères. Et ensuite, nous obtenons des nanoparticules par des méthodes de formulation classiques comme la nanoprécipitation. Ce qu'on cherche aussi à faire, c'est de coupler un deuxième molécule de principe actif à l'autre extrémité du polymère pour obtenir ce qu'on appelle des polymères doublement fonctionnalisés, qui peuvent être utilisés en polythérapie, qui c'est la délivrance de plusieurs principes actifs pour soigner plus efficacement une maladie. En ce moment, nous étudions plusieurs combinaisons qui sont pertinentes d'un point de vue clinique. Ce qu'on essaie de faire aussi, c'est d'améliorer la délivrance pour maximiser les effets thérapeutiques.